Et bonjour et bienvenue dans cette toute dernière vidéo Dark Souls. Moi, le seul jeu qui me hype, c'est Cyberpunk 2077. Pas faux, moi aussi il me hype. J'attends ce jeu avec impatience. Alors, oui, si jamais on parlait de Lost Soulside, qui est un jeu magnifique fait par une personne, je vous conseille de le regarder. Ça se trouve, il sera déjà sorti au moment où cette vidéo sera sortie. Et ça, ce sera cool. Mais du coup, là, nous allons faire la fin du jeu. Quand même terminer mon intro. Hein. Nous allons terminer Dark Souls, Super Tila Edition. Et nous allons massacrer Gwyn. Enfin, Gwen en français. I'm fine. I'm fine. Well and wide awake. Not treat me like an old withering snake. Tu peux me faire descendre, monsieur? I am pleased to... Is it something heard? Alimenter objet, quoi? Quoi? Sélectionner un objet à vendre. Quoi, c'est à lui qu'on peut vendre? Putain, si j'avais su. Pour la téléportation. Then, stay still for a moment. Oh. Ah oui, c'est sûr, quand on sait que c'est les mecs de The Witcher 3 qui vont bosser sur Cyberpunk 2077, c'est sûr que ça hype. Surtout qu'ils ont prévu que ce soit encore plus open world et encore plus grand que Witcher 3. Et ça, putain, ça donne envie, hein. Ça donne envie de se dire ça. Mais bon, pour l'instant, on n'a rien vu du jeu. Il me dit, moi, on en sait mieux ça. Mais je suis pas sûr. On va se brûler. Hein. Oh, c'est beau. C'est beau. On arrive enfin. Pourquoi tu veux pas que je fasse ça, le tapis? Ah, les anciens chevaliers de Gwyn. Ils sont tous morts au combat contre les dragons. D'ailleurs, saviez-vous qu'il est stipulé, enfin, les gens pensent, d'après plusieurs textes et fichiers audio qui ont pu être retrouvés dans les données du jeu, qu'il était possible, à un moment, d'invoquer Solaire à la fin du jeu. Et d'avoir Solaire lui-même ranimer la flamme. La mauvaise fin, si on ravive la flamme. Oui, mais si on ravive la flamme et qu'on en croit les théories sur le 3, qui serait du coup qu'à la fin du 3, le boss qu'on combat, c'est le personnage du 1, c'est la vraie fin, hein, la mauvaise fin. Je suis jamais venu ici. Probablement parce qu'il n'y a rien à faire ici. Rien de venir ici. Bon, allons faire le boss. C'est mieux. La mauvaise fin, si tu ravis. C'est quoi la bonne fin, techniquement? Il n'y a jamais réellement eu de bonne ou mauvaise fin dans Dark Souls. Il y a toujours eu une fin très très mauvaise et des fins un peu moins mauvaises.
Stream God, vous ajoutez à sa frame list. Je sais pas qui t'es. Tu as détesté The Witcher 3, Light Day? Là, je t'en veux, hein. Arrête de me regarder. C'est mon Witcher préféré. Bon, après, je peux te demander, est-ce que tu as aimé Witcher 1? Eh, hey, regardez, l'espadon le plus pété du jeu. On l'a enfin. On pourrait faire la fin du jeu avec ça. On pourrait tellement faire la fin du jeu. Je vais voir. Bougez pas. Oui. On va voir si on peut bien l'upgrade. Et si on peut, je vous fais la fin du jeu avec cette arme. C'est où déjà que je dois aller? Paroisse des morts-vivants, voilà. Je vais donner un avis subjectif. Pour moi, The Witcher 3 égale merde intersidérale. Mais c'est que mon avis. Non, mais tu sais, moi dans ma tête, n'importe qui peut dire ce jeu est nul. Je sais que c'est son avis. Toute critique est subjective. Une critique n'est pas absolue. C'est pas la parole de Dieu ou quoi que ce soit. Quelqu'un qui critique un jeu, oui, bah c'est de toute évidence son point de vue. C'est pas un point de vue universel. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre ça, c'est terrible. Attends, quoi? Je peux l'upgrade que plus 5? Upgrade que plus 5 cette épée. Ah oui, je peux upgrade que plus 5. Bon bah ça me va. C'est quoi le scaling par contre? Juste pour voir. ...330, 274, 319, 311. Donc 300 plus 300, 600, 630. Là on a 604. Merde, elle est moins bonne. Genre vraiment? J'ai une tablette de titanite normale d'ailleurs. Non, j'ai une tablette de titanite rouge, une tablette de titanite blanche. Pas une tablette de titanite. Alors moi j'ai envie de finir le jeu avec cette arme. Donc on va finir avec cette arme. C'est tout. C'est quel TP? C'est où qu'on doit aller? En fait, on doit retourner au sanctuaire. T'es obligé d'utiliser le machin pour... Debout. Debout, j'ai des... Hop. On est en bas, on y va.
T'as mis 70 heures à finir The Witcher? Tu as pas fini à 100% toi. Moi ça m'a pris 110 heures pour finir The Witcher 3 sans le DLC. D'ailleurs je m'étais dit, enfin j'avais fait des vidéos de The Witcher 3 en live et sur du coup YouTube, je les ai tout supprimés, hein. Vous les trouverez plus parce qu'il y avait absolument zéro commentaire dessus. Mais du coup j'hésite à refaire, maintenant que j'ai tous les DLC. Merde, bon ben, je voulais faire avec ça, mais c'est de la merde, donc je garde ma machette. Voilà, Gwyn, il va avoir peur en me voyant arriver avec un truc pareil. Allô ? Allô ? Bon tour. Putain, mais je récupère de nouveau l'espadon. Fuck. Y'a quoi là? Y'a un truc intéressant là-haut. À part une mort certaine. Directement. C'est dommage que Gwyn va crever aussi rapidement. Parce que du coup ce sera moins marrant. On va moins pouvoir s'amuser avec sa musique et tout. Ce sera moins bien le combat. Parce qu'on va lui péter la gueule avec une arme pareille. Ça va être fou. Oh cool! Une vraie armure. C'est bien ça. Ça ressemble à un de ses chevaliers si j'ai envie. En plus puissant. Encore l'espadon. Avec la titanie. Ok. Est-ce que leurs armures sont bien? Voyons voir. Modifier affichage. Elles sont plus légères. Et au niveau du corps. Comment elles sont? Elles sont juste plus légères. Je vais garder ma pose. Allons finir Dark Souls, premier du nom. Et où Gwent? Non, on peut pas le voir avant d'être entré dans le truc. Ok. Petit tiens le jeu. Arrêtez de toujours me foutre un coup, ça fait mal. Oh cool. Un tête blanc. Seulement un éclat. Mais aïe! Et voilà. Hey Gwen. Ow. Ow. Gwen, on peut en discuter, non? Elle est très très belle ton épée, j'aime beaucoup. Discutons-en. Autour d'un café. Aïe. Non, aïe. Non, non, aïe. Aïe. On peut en parler, je t'assure.
Gwen, arrête! Sois raisonnable, putain! T'es vieux, je suis jeune! Aïe! Allô! Arrête ça, Gwen! Sois raisonnable! T'es tout vieux! Moi, je suis tout jeune! Moi, je vais péter ta gueule! Va voir! Sois raisonnable un peu! Oh, bordel de merde! Cache pas, j'ai gagné, Gwen. Toi, t'as pas d'astuces. Moi, si. Non, j'ai gagné. Tu vois ? Reste à terre. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit de ne pas raviver la flamme. C'est la mauvaise fin. Mais il m'a toujours pas dit entre deux... quelle fin il voulait que je fasse. Donc, mine-toi le cul. Et non, je ravive. Parce que techniquement, c'est la fin canonique, ça. Puis c'est techniquement la fin que tout le monde a fait la première fois qu'ils ont joué au jeu. Donc, laquelle des fins tu veux que je fasse? Enfin, peut-être qu'il a répondu. Enfin, l'autre. L'autre fan est moins bien, je trouve. Non, non, moi je suis désolé, le tapis. Mais la fin, je décide, je veux faire celle-là. Parce que c'est la fin qui est canon. Si on en croit les théories, c'est la fin canon. Ça, c'est la vraie fin. C'est pas la bonne fin, mais c'est la vraie fin. Donc je veux faire la vraie fin. Allez, on entretient le feu. Désolé. Toi qui vois au pire. Bah, du coup. J'ai trois doigts. Suis-moi. To link the fire. Dark Souls Prepare to Die Edition. Voilà, on a fini le jeu. Changjuna. Il doit y avoir tellement moins de monde qui a travaillé sur le 1 par rapport au 3. On est plus scénarisé par contre l'autre fin, c'est vrai. C'est en choisissant cette fin que je me dis putain j'aurais dû choisir l'autre fin en fait. Mako qui lag pile au moment du boss final. Donnez-moi un couteau. Pas de bol Lider, hein. Pas de bol. Ça fait un gros décalage, par contre, putain. On n'a rien manqué, on a fait tous les boss, non? Ouais, il me semble. Ce qui nous manque, c'est quelques conclusions de Windoli, de Zygvard, et tous les autres PNJ à la con, mais ça, on s'en fout. On a fini... le premier Dark Souls, après avoir fini le troisième, en vidéo. Les vidéos sont disponibles sur la chaîne de YouTube, hein, d'ailleurs. Mais ça fait plaisir. Parce que je voulais refinir ce jeu et je l'ai refini. Donc je suis content. Bon, maintenant, par contre, le problème, c'est que ça veut dire que je vais devoir me remettre à... Remember me. Artorias des Abysses.
Oh, ça c'est beau! Les mouvements, ça a été fait par des vrais animateurs. Il n'y a pas de mocap. Ça, c'est beau. Ça, j'aime. Par contre, le générique, il prend pas son temps. Il s'éclate, il va vite. Hein. Twitch qui bug et qui me fait quitter l'app. Oh putain, tu vas revenir, ce sera générique de fin. T'auras même pas vu la fin. Désolé. Moi, j'aime pas la fin du feu, car tu niques tous tes efforts et entretiens le cycle. Ouais, mais bon. Que tu l'entretiennes ou pas, de toute façon, le cycle se répète. J'ai jamais compris ça dans Dark Souls. Ils l'ont jamais expliqué. Le cycle se répète tout le temps, que tu entretiennes la flamme ou pas. Pourquoi ? Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Ben c'est simple, il y a toujours quelqu'un, une personne, quelque part, pour entretenir la flamme. Il faut se rappeler que le monde de Dark Souls, les invasions et tout ça, c'est canon, ça fait partie du jeu. C'est expliqué dans le scénario en fait. Le monde est divisé. C'est plusieurs instances du monde, plusieurs dimensions différentes, mais qui sont toutes liées ensemble par un même lien, le feu. Il suffit qu'une personne chez elle, dans son monde à elle, dans sa dimension, ravive le feu, et voilà, le cycle est recommencé. Et du coup, nous recommençons le jeu, parce que ce jeu te demande pas, vous voulez New Game Plus ou pas ? Il te New Game Plus tout de suite. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Bref, on a déjà vu ça. On nous redonne tout, tranquille, comme ça. Du coup, allez, pour le fun, on va massacrer le premier boss du jeu. Que nous n'avions pas réussi à buter du premier coup. Là, on va le buter du premier coup, vous n'en faites pas. Il n'y a pas à chier, là, il est mort au premier coup. On va juste faire ça, puis ensuite on s'arrêtera. On s'arrêtera définitivement pour Dark Souls premier du nom. C'était très agréable de jouer à ce jeu avec vous, les enfants. Je parle bien sûr à ceux qui sont sur le chat. Content d'avoir fait ce jeu avec vous. Putain, la puissance. Voilà. On a récupéré son marteau vu qu'on l'a tué du premier coup. C'est cool ça, non ? Est-ce qu'on peut ? On peut pas ouvrir la porte. Putain. T'es obligé de faire le tour. Mais en fait, mes mods, ils sont plus appliqués. C'est quoi ce délire ? Les mods ne marchent plus. Parce que, en principe, ces flèches, elles sont censées avoir des textures. Elles en ont plus. Je sais pas pourquoi. C'est trop bizarre. Y'a rien. On peut le casser à la main. Ouais, franchement. Aïe, ça pique un peu. Non, même pas, ça pique pas. J'ai rien senti. Salut.
Non. La gueule. Mais pourquoi? Parce que je suis pas gentil. Voilà pourquoi. Bizarre, c'est qu'à la première installation, les mods ils fonctionnaient tranquille, comme il faut. Maintenant, ils fonctionnent plus, je sais pas pourquoi. Très bizarre. Oh, c'est verrouillé. Allez, allons-nous-en. Faites m'en vais. M'en vais. C'est fini le jeu. On a fini. On s'en va. Allez. Je dis à tous merci beaucoup d'avoir suivi cette aventure sur Dark Souls 1 Prepare to Die Edition. Je vous dis à une prochaine. N'oubliez pas de mettre des likes et de partager. Et bye bye. Leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords.